Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo partenariat. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci toujours aux anciens, merci pour tous les petits messages que je reçois. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Voilà. Donc, on est toujours le samedi 20 mai. Je vous ai fait plein de vidéos aujourd'hui. C'est ma quatrième et ma dernière. J'ai fait le colo ce matin, j'ai fait la case de la semaine, celle-ci et une autre vidéo. Voilà. L'autre vidéo, vous la verrez fin juin. Voilà. Donc, j'ai décidé d'attaquer la toile, l'oreiller que j'ai reçu en partenariat en février de la société Print by Number D. Je vous remettrai en barre dans la description le lien de la toile et le lien du site. Pour rappel, j'avais eu un budget, je ne sais plus le montant du budget, et la condition a été que je fasse une vidéo unboxing, une vidéo tuto. Donc ça, j'ai réglé, j'ai fait, et aujourd'hui j'ai envie de refaire une vidéo avec vous pour commencer la thé d'oreiller et voir un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Alors, j'ai préparé en vidéo avec vous tous les petits fils. Ta 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 ta. Sur le petit nuancier, si vous vous rappelez bien de la vidéo. Voilà. Vous voyez. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu emmêlé. J'ai mon café toujours hein, sur la troisième vidéo. Sur les vidéos, vous avez vu, j'ai un café tout le long. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Voilà. On va commencer ensemble. Alors, l'idée. Donc, les petites pinces, je les ai eues avec le partenariat, hein, pour info. C'est pour ça que je les avais laissées. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre du tout. Alors, on va déjà choisir un symbole, Karine. Hein? Alors. J'ai un petit problème. Les symboles ne correspondent pas à la toile. Alors là, je l'avais pas vu avant. Je suis d'accord que les symboles ne peuvent pas correspondre d'un point papier au point ici. Mais là, c'est d'ici à ici. À ici que c'est pas bon. Que j'ai pas les mêmes symboles. Alors, je vais vous descendre et vous faire voir un petit peu plus. Je suis désolée si vous allez descendre brutalement ou pas. Et ben, je pense que je fais bien de vous faire une vidéo, vous voyez. Je contacte. Ma caméra a encore fait des siennes. Voilà. Je contacterai, donc j'étais en train de dire, je contacterai la société pour savoir si c'est bien moi qui fait ma blondeur est légendaire ou pas. Mais je ne pense pas, les amis. Là, voilà. Alors, on va regarder la légende ensemble. Donc, on a des petites croix bleu, des triangles verts, des traits rouges, des carrés jaunes, des ronds rouges, des carrés verts, bleus,
des N violets, des flèches violettes, des coins rouges, du carré violet et des petits points rouges, verts. Si je m'approche avec ma toile, on voit ici un symbole d'un trait vertical bleu. Je n'ai pas de trait vertical bleu. Voilà. On va reprendre un autre. Le petit triangle ici rouge. Ne courez. Attendez. Pardon. C'est encore moi qui fais ma Kinder. Voilà. Je vous explique. Il y a une deuxième table des matières ici. Voilà. Et là, je retrouve des symboles. Il y a un truc qui vient de m'interpeller quand j'ai commencé à vous énumérer les trucs. Là. C'est que là, on a des numéros. Vous voyez, 16, 17, 18, 14, 15. Voilà. Donc, non, il n'y a pas d'erreur sur la toile. Eh ben, ma fille, t'as encore bien fait ton taf de blondeur. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, j'enverrai pas de message. Donc, je sais que je vais envoyer la vidéo à la société. Donc, je suis désolée. Hein. Bon, je n'ai pas râlé. Hein. Je n'ai pas. Hein. Donc, il n'y aura pas de message où j'explique qu'il y a peut-être potentiellement un problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, l'idée, c'était que je commence par là. Avec mes petits triangles rouges. Qui sont les numéros 14. Et si. Je me référence bien là au numéro 14 et c'est bien des triangles. Et là, sur le papier, le 14 correspond bien à la petite tige. Moi, je vous dis ça. Qui correspond à là. Mais bon, moi, le diagramme, normalement, je ne le regarde pas parce que c'est différent de la toile. Allez. Donc, on a dit le 14, qui est du vert. Donc, rappelez-vous, moi, j'avais déjà préparé mes fils. Voilà. Je vous jure. Mais alors, moi, mais j'en loupe pas une. Je n'en loupe pas une. C'est impressionnant comme je peux... Vous allez me dire, c'est tout ce qui fait ton charme, Karine. Mais bon, mais quand même... Oui, 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 je prends un enfile-fil. J'en ai pas à portée de main. On voit galérer. Voilà. Alors, comment je vais travailler? Parce que du coup, moi, j'ai jamais travaillé avec une toile dessous. Hop là, vous êtes où? Vous êtes là. Attendez, je sors mon aiguille là. Je ne vais pas trop bouger la caméra pour pas que le fil fasse encore des siennes. Donc là, moi, je brode en trois brins. Parce que du coup, je veux essayer de me mettre correctement pour vous faire voir. C'est vrai que c'est un truc un peu... Pour moi, ça me perturbe d'avoir un truc dans les mains, sous la main, là-bas, dessous. L'aiguille, je la trouve un petit peu plus grosse. Mais c'est du...
On est bien sur du 14CT, mon ami. Ils ne disent pas. Sur du 11CT, pas du 14. Mais décidément, non, mais Karine. Ah, c'est quand même particulier de mettre les numéros comme ça. Bon. C'est particulier, c'est dans un sens c'est bien parce que du coup on sait la référence 14 qu'il faut récupérer la référence 14. Soit. Bon, ça se brode super bien. Moi, j'ai plus grand chose à vous. Oh mince, à vous raconter, étant donné que je vous ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui et que j'ai pas envie forcément de me répéter. Donc là, je vous ai quand même fait quelques vidéos. Après, je vais faire mes montages. Comme ça, pour la semaine, vous avez toutes les vidéos. Je ne suis pas forcément bien installée, alors du coup. Non, mais je repense à ma boulette, là. Non, mais lol, ma fille. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous faire cette partie-là. Comme c'est du partiel, ça devrait aller vite, nous dirons-t-on. Voilà. Comme ça, vous aurez au moins ça. Vous la reverrez, hein, la TDT dans mes réalisations des mois. Parce que bon, je vais pas l'avoir fini ce mois-ci. Quoique si je la finis rapidement, j'ai le droit de m'acheter un nouveau point de croix, n'est-ce pas, Madame Valérie la Française? Hein? Voilà. Non, je disais tout à l'heure que j'avais envie de m'acheter une toile en 9CT. Voilà. Le 16 me titille pas trop. Le 9, oui. Et là, je disais, j'aimerais bien me faire une toile en point de croix personnalisée avec mon prénom et le prénom de mon mari. Voilà. Je me bats avec mon fil aujourd'hui. Il est où mon fil là? Ouais, j'ai envie de me faire une perso en point de croix. Mais bon, pour le moment, hein, il y a d'autres choses à faire. Mais j'ai... Voilà, ça me titille. Et puis j'ai hâte que vous voyez la vidéo du mois de juin, de fin juin, franchement. Moi, je vous dis, accrochez-vous au mois de juin. Accrochez-vous, accrochez-vous. On va faire ces trois points-là. Vous êtes toujours en champ de vision.
Ouais, là je me suis lancée, mais... Ah là là, ça me titille de vous le dire, mais non, je veux garder la surprise. Je veux garder la surprise. Il n'y en a qu'une qui est au courant. Donc, shit, 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 shoot. Voilà. Ça, je réfléchis aussi à un prochain éventuellement concours. Alors, pas pour les 600, hein, mais voilà. Peut-être pour les 700, un joli concours, j'en sais rien. Je réfléchis, j'ai envie de faire avancer la chaîne un peu plus rapidement tout en essayant de rester dans mes idées, hein, voilà. J'ai des idées, ouais, j'ai plein d'idées en ce moment. J'en ai une qui me taraude. Va falloir que je regarde un petit peu de plus près parce qu'il y en a une qui me taraude, mais voilà. Ça me taraude, ça me taraude. Faire que je m'y pose un peu plus près dessus, que je regarde. Et ouais, j'en ai une ou deux là qui me taraudent d'idées pour vous. Mes amis. Est-ce que moi je vais couper? Je vais couper là. Je regarde le ton hein, quand même. Bah écoutez, moi j'adore la faire, la toile. Bah j'adore toutes les faire. Là le problème. Non, elle est agréable à faire. Donc les trous, je les trouve vachement plus gros que les toiles que j'ai d'habitude. Pour ça, je voulais regarder si. Alors oui, je sais, c'est pas un ciseau à broderie. Mais. Non, c'est bien nuancé, c'était en trois brins. Hein. Non, 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 c'est la toile qui est peut-être plus... Non, non, c'est bien nuancé, c'était. On aurait pu croire que... Je pourrais croire que... Mais non, 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 c'est bien du 11, c'était. Voilà. Alors... Donc là, on est sur la partie quand même bien, bien verte du point de croix. J'ai regardé Mask Singer avec mon mari là avant et j'ai la chanson de... De la star là, qui était là sur Mask Singer cette semaine, c'est Anastasia dans la tête. Voilà. Ça change de la purée mousseline, on dirait. Mais
Est-ce que là, par contre, c'est un carré, un triangle ou quoi? Attendez. Vous voyez, bah, du coup, je vous dis, je m'en sers jamais du poète-poète. Et puis là... tac, tac, tac. Attendez, je suis là. Non, ça s'en est pas. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, c'est particulier quand même pour parce que du coup avec la toile derrière, c'est un petit peu particulier. Enfin. Allez, j'aimerais bien arriver à finir ce verre là avec vous. Juste le message que j'ai reçu. Ouais, c'est bon. C'est le message pour la dame de ménage de mon papa où je lui ai annoncé de ne pas venir lundi parce qu'on a un rendez-vous médical que j'avais oublié de lui marquer la semaine dernière. Voilà. Bon, il n'empêche que ce petit rallye, bah écoutez, je suis agréablement. Alors, je pense qu'au niveau de l'organisation. Oh, mais. Ils ont... Alors, au niveau de l'organisation, ils ont dû revoir leur organisation. Je pense que j'étais. Les gens ont dû beaucoup râler dans notre rue. Voilà. On est sur une rue où il n'y a pas de place de parking devant les maisons. Et les gens se garaient devant les portes l'année dernière. C'était un truc, mais. Vraiment mal. Pour moi, ça avait été mal organisé. Voilà. Hélas, aujourd'hui, il n'y a personne qui se gare devant la maison. Il y a quelques voitures qui se garent, on va dire, sur le trottoir en face, devant des portes de garage. Voilà. Mais ça va. C'est pas comme l'année d'avant où, franchement, voilà. Les gens se garaient vraiment devant la porte. Moi, une fois, à un moment, je suis sortie, je dis attendez, j'ai quelqu'un qui vient avec une poussette. La personne, elle rentre comment? Et ça, ça s'était passé sur toute la rue. Donc, il y avait. Je pense que voilà, j'étais peut-être pas forcément la seule à bougonner dans mon coin, qu'il y a eu une remontée. Et là, même cette semaine, là j'ai vu, il y avait la police municipale de la ville qui est à côté, qui est venue donner un coup de main un peu pour la gestion. Et c'est vrai que là, il n'y a personne. Alors, est-ce qu'il y a eu des champs de paysans qui ont été ouverts aussi? Certainement. Bon, le temps non plus, il pleut des... Il pleut, du moins il fait pas beau, c'est pas voilà, c'est pas un temps super méga cool pour les pour eux non plus, et puis ça amenait moins de monde, donc c'est vrai que c'est dommage si ça amenait bien moins de monde. Sur le rallye, hein, voilà, on va dire que moi ça a été mieux organisé, voilà, que je suis triste pour eux s'ils ont pas fait le plein comme ils auraient aimé. Voilà, hier soir quand je suis allée ramener ma voiture au bout de ma rue, après 800 mètres, il y avait de très très jolies, deux jolies alpines. Voilà. Et là c'est vrai qu'il fait pas forcément beau, il fait pas beau temps, donc je serais bien allée voir les voitures, mais c'est pour me peler les fesses, non merci. Allez, bah, je vais finir mes quelques points derrière. Et je vous abandonnerai, comme ça je vais pouvoir faire les montages, les programmations, les petites miniatures. Je vais peut-être aller chercher mon autre PC, comme ça je vais, le temps que ça monte, les trucs comme ça, je vais pouvoir regarder un peu les vidéos à côté.
que j'ai pas regardé. C'est vrai qu'on entend moins de gens passer. Des voitures qui étaient un petit peu fofolles. Il y a bien moins de monde que je pense que l'année dernière. Bah écoutez, elle est très agréable à faire. Elle donne envie de continuer, continuer, continuer. Mais c'est pas comme si je n'avais pas d'autre chose à faire. Voilà. Hop là. Là. Donc merci quand même encore avec la société hein, Pink by Numbers D de m'avoir fait confiance. Donc voilà, je... mes abonnés le savent hein, j'aime bien vous faire des vidéos où je réalise les produits. Voilà. Alors pas tout le temps dans la foulée hein, parce que bah, on a d'autres projets en cours. Mais attendez, ça j'ai dit que c'était le numéro 14. Je vais la remettre sur la plaquette. Mais voilà, j'aime bien vous donner mon ressenti. Hein, après vous aurez en général, voilà, je fais bien une réalisation où je vous donne mon ressenti, je vous donne le ressenti à la fin. Donc là pour celle-là, bah, vous allez attendre un long moment avant que je réalise. Mais voilà. Là les impressions sont très 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 bonnes. Voilà. Voilà les amis, donc je vous fais voir un petit peu ce que j'ai fait. Hop là. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'ai fait tout ça. J'en ai fait un petit peu là. Un petit peu là, 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 là. Et là, on est vraiment sur les couleurs de vert. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Thank you.